Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions. Il y a différents jeux, tout comme par exemple GTA V sur PC à seulement 9,09€. De quoi venir jouer avec nous à GTRP avec le frérot Yekai sur notre serveur Golden Paradise. Il y a également des cartes PSN, Xbox, Nintendo Switch, etc. Mais différents jeux comme du Naruto, One Piece, Dragon Ball, bref, faites-vous plaisir. Tout est en promotion, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, ça fait une vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en invocation sur le Goku Blue Kaioken Ultra qui a été annoncé officiellement hier. On l'a découvert lors de mon live pendant le Louisville and Stuff avec vous. Et puis j'avais également fait une vidéo récap. N'hésitez pas à aller la voir pour savoir de quoi on parle aujourd'hui. Donc voilà, le Step Up Ultra Rising avec 2000 PZ sur le personnage ultra, donc comme le Gogeta ultra, ça va devenir beaucoup plus récurrent hein. Maintenant voilà, les PZ augmentés pour avoir des étoiles sur les personnages, que ce soit entre guillemets équilibré pour le PVP. Et ce perso là les gars, oh, si on arrive à l'avoir, il est absolument insane. Il est trop violent. Voilà, j'ai regardé un peu la carte, j'ai dit, bah, c'est un truc de fou. Donc voilà, on reviendra pas dessus, c'est vrai que pour une célébration, on aurait pu imaginer mieux. Certains sont satisfaits, d'autres un petit peu moins, tu vois. Voilà, on va pas revenir dessus. Ça, c'est les goûts et couleurs de chacun. Mais en tout cas, j'ai quand même envie de l'avoir, histoire de casser de la bouche. Voilà, dans ce step-up, il y en a pour 3000 cristaux. Palier 1, 1000 cristaux. Palier 2, 1000. Et palier 3, pareil, 1000. Et le quatrième palier, il est gratuit. Ça fait un total de 3000 cristaux avec le palier numéro 2. Où le taux pour obtenir l'ultra, c'est x2. Donc deux fois plus de chances d'obtenir l'ultra là-dessus. Ça reste 18 jours. Et également au niveau du détecteur. Oh là là, il est beau. Franchement, il est beau. Il n'y a rien à dire. Franchement, là-dessus, l'artwork, quand on le sait, c'est le point fort de Dragon Ball Legends. Regardez-moi cette beauté. J'avoue, franchement, ça, c'est vraiment somptueux. Pour l'artwork, il n'y a vraiment rien à dire. On a également le Vegeta Blue Evolution LF. Donc, possibilité d'avoir des belles animations et du Broly, etc. qui pop. Hein. Également le Black Goku Rose LF. Pourquoi pas Gogeta Blue LF. Alors, moi, j'ai déjà 14 étoiles. Donc, la vérité, franchement, ça me mettrait le seum de tomber sur du Gogeta Blue. Et le Vegeta LF SSJ Blue qui est passé Zenkai. J'aimerais bien avoir des doublons parce que je n'ai que 8 étoiles. Donc en vrai, même si jamais je chope du Vegeta Blue Zenkai type vert, je serais vraiment content. Donc voilà les amis, écoutez, on va commencer ces invocations. Max de pouces bleus au mode Genki Damai. Je vous rappelle, je l'ai dit tout à l'heure sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas, le lien dans la description de cette vidéo, tout comme le lien Instant Gaming. J'ai dit comme quoi ce soir, et je pense que ce sera aux alentours des 18h30, je serai en duel invocation contre Ludivine. Et on verra qui de moi ou de elle arrivera à prendre l'avantage sur ce duel. En attendant, on est parti. 3, 2, 1. Yeah ! Allez, c'est parti ! Let's go le jeu, fais plaisir. Si tu pourrais me le ramener tout de suite là, bim, emballer, c'est pesé, on serait content. T'as au paille, donc c'est Sparking garantie à chaque fois. Par contre, on est sur Namek de la Hesse. Tu vois, moi je préfère plus les montagnes. La vérité, je préfère plus les montagnes, l'espace, tu vois, mais bon. On va pas se plaindre. SSJ, glissé rouge, t'as au paille. Kamehameha. Il prend le dessus, ok. Bon, Sparking garantie. Mais ça nous donne pas vraiment de petits indices concernant un ultra, tu vois. Bon. C'est le deuxième forme. Est-ce qu'on pourrait voir l'animation ultra? Est-ce qu'on pourrait voir l'animation ultra, les amis? Ok, Bulma. Ok, C19. Oh là là, c'est pas foufou. Hein. Le Goku. Oh là là, Cyberman, là, c'est de l'héros. Frost. Ok, on n'oublie pas, on a le Sparking garanti. Hein. Shisami. C'est 19 encore, bah, c'est quoi cette première multi claquée là? Freezer type jaune. D'accord. 1000 cristaux pour ça. Très bien. Oh, ça a changé ça. Oh, ça a changé. Ils ont changé un petit peu l'interface. Voilà, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a eu la nouvelle mise à jour et tout ça. On en parlera, je pense, en live ce soir à 18h30 avec le système de tampons, etc. Ok, par contre, ça c'est cool. Ils ont changé un petit peu l'interface. Ça change un petit peu. Bon, bah, lui, il était déjà 14 étoiles, hein, donc forcément, tout était déjà 14 étoiles, c'est pour ça que ça se transforme en médaille. Ok, très bien. Écoutez, palier numéro 2, taux d'ultra x2. On est parti, les amis. 3, 2, 1, yeah ! Allez, les montagnes sur le taux x2, ça serait bien. Les montagnes sur le taux x2, ça serait bien. Les montagnes ?
Par contre, SSJ Blue, c'est pas mal. Golden Freezer, SSJ Blue. J'allais dire, ah purée, c'est Namek de la Haïs, mais par contre, SSJ Blue, Golden Freezer, il prend le dessus. Vegeta Blue ou pas? Si Vegeta Blue apparaît, nouvelle unité. Vegeta Blue? Non. Purée. C'est pas grave, il prend l'avantage, deux sparking garantis, tout est possible. Premier sparking. C17, ça va. Franchement, ça va, C17, on va le prendre. J'ai encore un deuxième sparking. Pourquoi pas l'ultra? Pourquoi pas? Yabé. Deuxième, donc j'en aurai trois. Ok, le Broly, Zenkai, type vert. Bon, j'en aurai trois sparking du coup. Allez, let's go, fais plaisir. Dis-moi le dernier, c'est l'ultra. Dis-moi, c'est beaucoup plus Kaioken. Allez, dis-moi le dernier, c'est l'ultra. Gogeta EX, ok. Oh, je vais en avoir 4. Ginyu, il est encore vivant, le bordel. Ça fait je ne sais combien d'années que je ne l'ai pas, droppé, lui. Incroyable. Donc, il y aura un quatrième. Il y en aura un quatrième parce que la dernière unité, c'est Sparking ou Ultra. Ok. Oh, fake out. Goku SSJ3 GT, je prends. Bah, franchement, on va pas se plaindre. En vrai, de vrai, je suis vraiment content pour le Goku SSJ3 GT. Ça me permet un petit peu de reprendre un petit peu de PZ. Il y a 9 étoiles, bientôt 10 du coup. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Également pour le C17 qui est déjà 10 étoiles. Ok, bon, ok. Par contre, le taux x2 pour Ultra, il n'est pas venu. Hein. Allez, on continue. 3, 2, 1. Yeah! Allez, s'il te plaît, le jeu. S'il te plaît, le jeu. Namek de la Haïs. On n'a pas eu un truc espace, montagne. Que de Namek de la Haïs, c'est un truc de fou. Oh, bataille! Oh, mais c'est l'ultra! Y a pas d'autres personnes normalement. La nouvelle unité, c'est l'ultra. Les frérots, on l'a eu dès le premier step up. Let's go. Oh lolo, les gars. Mais ça, c'est incroyable. Le divine, j'espère que tu m'entends. Regarde ce que je ramène à la maison. Incroyable, les frérots. Le Badak qui est revenu. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Incroyable. Incroyable. Les amis, max de pouces bleus. N'hésitez pas également à partager cette vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein, frérot. Ici, ça casse tout. Incroyable. Eh, franchement, extraordinaire. Ah, je suis content. Parce que là, du coup, je vais l'avoir direct 4 ou 5 étoiles, je crois. Un truc comme ça, on va voir. Mais là, je suis content, c'est bon. Ça y est, c'est bon, je suis content, les frérots. Là, ça y est, c'est bon. Réagissez dans l'espace commentaire. Dites-moi, vous aussi, si vous l'avez eu. Hein. Ok, deuxième sparkling. Goku Blue, bah tiens, le Goku Blue type rouge. Tiens, oh, troisième. Eh, le Goku Blue, bah là, c'est les Goku Blue, frère. Ça chie des Goku Blue, ça pleut des Goku Blue, là. Là, je te le dis, là, c'est bon, ça me va. Bah, c'est bon, les gars, on l'a fait tomber. Du coup, lui, il passe 14 étoiles, ça aussi, c'est pas mal. Et du coup, on l'a fait tomber. Il est 5 étoiles, c'est parfait. Franchement, extraordinaire, les frérots. Oh, regardez-moi cette animation, quand même. Oh là 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 là. Les ultras, franchement, c'est beau. Je le redis, même si pour la deuxième partie des 60 millions de téléchargements, j'aurais préféré un autre perso encore beaucoup plus hype qu'un Goku Blue Kaioken. Mais c'est vrai que l'artwork, il est vraiment sublime. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est propre de ouf. Voilà. Bah, je suis content. Voilà, franchement, je suis content. On va pouvoir continuer. Et ce soir, de toute façon, duel invocation contre Ludivine. Hein. Ah, ça va chier des bulles carrées, là. Là, ça va chier des bulles carrées. Eh, franchement, incroyable. Les amis, la gratuite. Pourquoi pas avoir un doublon? Tu sais, le mec... Bon, déjà, on a eu Badak. Incroyable. Allez, 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti. Let's go. Allez. Namek de la Haïs encore, je vais rien dire parce que j'ai eu Badak Namek de la Haïs, donc ça me va Namek de la Haïs en fait. Oh, il prend le dessus, ok, de toute façon c'est Sparking garantie aussi, la gratuite. Lui c'est bleu. Let's go.
il prend le dessus, parfait. Donc ouais, c'est bien ce parking garanti, même sur la gratuite. Je rappelle, il n'y a pas de système de pitié, hein. Sur les ultras, les gars, il n'y a pas de système de pitié. Allez, si je peux avoir l'ultra là encore, c'est le mec, il en demande toujours. Ok. Parce que là, si jamais je leur chope une fois, il passe 8 étoiles, je crois. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Parce que du coup, je récupère encore 2000. Ce serait incroyable. Oh, ouais, tu peux venir, c'est bon. Du moins, j'ai l'ultra, tu peux venir me boycotter, toi. Il n'y a pas de problème. Ok, Piccolo. Ah, Badak. Badak le sauveur, les frérots. Badak, il arrive et dans l'animation. Bah. Goku et CG3 type rouge. C'est pas fou ça. Mais bon, on va pas se plaindre. Eh, franchement, les amis, on va pas se plaindre. Je devais faire une vidéo, voilà, pour marquer le coup et vous annoncer également le live duel invocation contre Ludivine qui aura lieu à 18h30 sur la chaîne YouTube. Activez la cloche pour recevoir la notification. Ratez pas ça. Parce que là, Ludivine, je pense qu'elle va être vénère de ouf, les frérots, parce qu'elle va savoir, du coup, pendant le duel, que moi, je l'ai déjà, et que elle ne l'a pas. Et je pense que ça risque de faire des étincelles. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver le lien Instant Gaming dans la description de cette vidéo pour vous faire plaisir, et du coup, acheter des jeux vraiment moins chers que ce que vous pouvez trouver sur le marché. Allez, let's go. Oh là là, type jaune. Oh, les persos violets, on va les froisser en PVP. Ça, pour le coup, ça fait plaisir. Il ne reste plus qu'à avoir un petit doublon. Donc voilà, les amis, attendez, on va se quitter quand même sur la petite animation. Hein. Franchement, il faut se quitter sur la petite animation ultra. Hein. Bah. Voilà, les amis, match de pouce bleu en mode Gunki Daman. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et le live à 18h30. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!